Salut, je me nomme Kaku Andodje Sandrine. Aujourd'hui, toi et moi, nous allons voir l'objectif de la mathématique à l'école primaire. À l'école primaire, la mathématique consiste à compter, à mesurer, à raisonner logiquement. Et si tu as les nombres entiers, les nombres décimaux. Qu'est-ce qu'un nombre décimal? Un nombre décimal, c'est un nombre simplement à virgule. Un nombre entier, c'est un nombre où il n'y a pas de virgule. Nous avons les opérations qui consistent à additionner, à soustraire, à multiplier et à diviser. Nous avons la géométrie. La géométrie, c'est par rapport aux droites perpendiculaires, parallèles, au carré, au rectangle, au triangle, au cercle et souvent au pavé droit. Et aussi, tu as les angles. La géométrie, c'est par rapport aux droites parallèles, perpendiculaires, aux angles, au carré, au rectangle, au triangle, au cercle et parfois même au pavé droit. Tu as aussi les nombres fractionnels ou la fraction. Tu as les mesures, c'est dans ça que nous allons voir. Les mesures de longueur, les mesures de masse, les mesures de capacité, les mesures d'air et les mesures agrès. Tout cela sera expliqué dans différents cours. Aussi, nous avons les monnaies. Les monnaies font référence au prix de revient, prix d'achat, bénéfices, pertes. Et nous avons enfin les problèmes. Le prof de mathématiques t'emmènera, toi, à résoudre des calculs rapides, des opérations je pose et j'effectue, et à raisonner logiquement, c'est-à-dire à faire des problèmes. C'est ainsi l'objectif de la mathématique au CM1. Succès assuré.